reborn. Chaos reborn. Encore de graves révélations ici sur Mirascopol. Mais que se passe-t-il encore? Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez bien, un jour, on a fait une vidéo où on entendait une femme dire des choses sur Tibio Choua. Des choses du genre, elle révélait le péché secret. Non, les péchés secrets de Tibio Choua. Juste comme ça. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a clairement dit qu'elle a vu Tibio Choua en train de faire des choses bizarres aux enfants qui se trouvaient dans sa synagogue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je ne sais pas. Mais je vais tomber encore sur une autre vidéo où on la voyait manifester. On ne sait pas pourquoi. Mais avant de la juger, il faut d'abord l'écouter. Le cas est déjà mort. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Ah, venez, allons voir ça. Prenez votre natte et asseyez-vous. Asseyez-vous, hein. À terre. Regardez ça. La femme, elle est ici. Regardez bien. Tibio Choua est déjà parti. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Bon. Chacun a son avis. Vous pouvez réagir en commentaire. Mais regardez bien cette femme. Cette femme nous dit qu'elle a été molestée par Tibio Choua et tout ça. Mais elle ne peut rien faire. Elle fait tout pour que ça puisse toucher la justice et tout. Mais comme Tibio Choua a un bras long, ça ne va pas loin. Donc elle est sortie pour manifester. Hein? Et c'est de cette vidéo que je vous parle. À la fin, elle va apparaître. Vous allez l'entendre. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? Elle passe un peu partout sur Internet en train de raconter des trucs. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais on peut voir ça. Attendez, regardez bien. Elle a un livre dans la main. Par rapport à quoi? Elle dit que nous devons prendre notre destin en main. Wow, est-ce que vous avez entendu? Elle dit qu'elle parle de jeunes filles qui sont tenues en captivité par Tibio Choua. Elle avait dit que c'était des filles de gens 11, 15 et un autre âge encore. Mais ce sont des mineurs. Est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle les a vues. Elle les a vues du genre Tibio Choua couche en cachette, comme il n'est plus à dire coucher en cachette avec ces jeunes filles. Mais de la même fois, elle était de parler. Je ne sais pas si ça date de maintenant ou bien. C'est un truc qui est passé un peu. Bon, je ne sais pas, mais regardez vous-même, ça vient d'apparaître sur les réseaux sociaux. Elle dit 8 ans, une fille de 8 ans, 14 ans et 11 ans. Elle dit 11 ans, ces filles-là sont là-bas dans ça. Parce qu'il a de l'argent. Parce qu'il est populaire, parce qu'il a des connexions. Il peut mettre les gens à terre, il peut mettre les gens au carreau. Trop, c'est trop. Elle dit que si vous pensez que je suis en train de vous mentir, voici la preuve, ce que je tiens dans la main là. Ça, ce sont les documents. Chie. Vous ne savez pas comment l'homme est prêt à faire descendre notre homme de... Faites tout pour ne pas être en erreur. Faites tout pour ne pas avoir tort. Parce que si vous avez tort, aïe aïe aïe, ce que vos ennemis vont vous montrer. Hein. Non. Vous-même, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis toujours un humain? Mais je ne reconnais plus mon pays. Mon frère, tu reconnais ton pays. Ça, c'est une affaire sérieuse.
Si elle dit qu'elle a, elle a été victime et qu'il y a même trois filles, c'est-à-dire 11, 14 et 15 ans qui sont là-bas en train de souffrir, ah, elle a dit, est-ce qu'une personne peut s'élever, peut-elle s'élever comme ça juste pour venir raconter des histoires si ce n'était pas vrai? Moi, je ne peux rien parler, je ne peux rien dire de cette affaire. Mais regardez vous-même, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Alors, je suis ici. Je suis ici pour m'arrêter. Avec Bossala Dankolo, je vais dire le nom. Elle dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fermé la bouche, sont silencieux. À cause du pouvoir du monsieur. La femme lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es ici? Pourquoi es-tu ici? Elle dit, je suis là pour manifester. Je suis ici pour joindre le mouvement. Elle dit que toutes ces personnes utilisent la religion pour cacher leur maladie. Elle dit que... Tchiii. Elle a joint. Elle dit qu'il y a des gens de ce monde-là qui utilisent la religion pour cacher leur maladie. Ça, c'est que j'ai dit maladie, ça. Cherchez femme aussi, c'est maladie. Bon, quand il s'agit de coucher avec les mineurs, là, ah, il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi je ne peux pas tellement juger, je ne peux pas tellement dire quelque chose, sinon de vous soumettre cette affaire. Pour que vous puissiez réagir en commentaire et m'expliquer ce qui se passe ici. Regardez. Il dit que les gens utilisent leur pouvoir, leur argent et tout ça, et leur position à l'église pour pouvoir cacher leur maladie, leurs problèmes mentaux. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Attendez, revenez un peu là, écoutez bien. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Hey. La femme dit, avant que je coupe la caméra, est-ce que tu as quelque chose à dire encore sur toi-même? Et écoutez bien ce qu'elle va dire. Elle dit que j'ai aussi, moi aussi, été sexuellement molesté par T.B. Joshua. Par T.B. Joshua. Elle dit que elle-même, elle a été molestée sexuellement par T.B. Joshua. Sérieux, hein? Attendez. Regardez bien. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Avant que je coupe la caméra, est-ce que tu peux dire quelque chose? Je dis oui, je dis que j'ai été sexuellement molesté par T.B. Joshua. J'ai tenté de travailler là-bas à cette église pendant 14 ans de ma vie. Elle dit qu'elle a passé vraiment 14 ans là-bas. Elle dit qu'elle a passé 14 ans là-bas. Là, elle a gâté le coin, gâté le coin, gâté le coin, gâté le coin. 14 ans là-bas. Elle a passé 14 ans là-bas.
Et elle-même, elle a été molestée sexuellement. Genre comme il a touché, il a touché sexuellement. Voilà. Et elle dit qu'il y a trois autres filles qui sont là-bas. Et ces trois autres filles-là ne peuvent pas parler. Elle dit 11, 14 et parce 15 aussi. Et elle a vu la vue. Et elle a décidé de le dénoncer, de sortir pour manifester. Parce que même quand ces gens-là vont se plaindre à la police ou les gens des choses du genre, comme c'est un grand type de pays, personne ne peut parler. Personne ne peut rien dire. Comme il a des connexions, comme il a des bras longs, comme on dit chez nous. Et cet homme, il est parti en ce moment. Il est déjà mort, non? Mais pourquoi est-ce que ça fait surface? Est-ce que c'est un signe pour nous montrer qu'il y a des choses comme ça qui se passent même dans l'église encore? Allez, j'essaie de vous parler. Mais personne ne peut parler. Dans l'église catholique, on a entendu parler de cela. Ça crée des problèmes là-bas. Ils ont dû prendre des mesures jusqu'à ce qu'ils qu'ils ont permis mettre au point de se marier, non? Vrai ou faux? Quand vous regardez son visage, est-ce que vous pensez qu'elle était rigolo avec vous? Quand vous regardez bien son visage, est-ce que vous pensez qu'elle recherche quelque chose? Mais réagissez. Et elle a fait un document où elle explique tout. Et c'est surtout dans ce livre qui se trouve là devant elle. Est-ce que c'est un moyen pour elle de faire vendre son livre? Ou est-ce qu'elle veut se faire de la thune? Parce qu'on a vu beaucoup de choses qui se passent au monde. Des gens qui ont eu des problèmes avec des stars. Une affaire de sextape, c'est venu sur les réseaux sociaux, nous tous on a vu. Et ces gens n'ont pas écrit des livres pour les vendre. Moi, je sais pas, hein, mais bon, regardez vous-même. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Hein? Pour ceux qui comprennent bien anglais, regardez du début jusqu'à la fin, ok? Regardez bien. So let social media take control. Yes, we have to take our destiny into our hands. You see, no makeup. This is not the time to dress up. This is the time to address. Yes, and I'm also talking on behalf of other young girls that are still in captivity of TB Joshua. 8 years old, 14 years old, 11 years old. Yes, I'm saying it. 11 years old are still there because they have money, because they have fame, because they have connection. They can put people down. Enough is enough. I say enough is enough. If he thinks I'm lying, he can contest it in court. This is a document, not only for this generation, but for generation unborn. So I'm here. I'm here to stand with Bosola Dakolo and all the people that has been in silence all this while. And why are you here with us? I'm here to protest. I'm here also to join the movement. No to rape. Why? Yes, I'm here to join the cause of saying no to rape. All these people using religion to hide their sickness, to hide their mental disorder. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Before I brought out my camera, you said something about yourself. Yes. Can you say it again? Yes, I said I was also sexually molested by TB Joshua. Okay. I was trapped in the synagogue for 14 years of my life. I spent my youth in the synagogue until God set me free. If not for God, I would not be here today. Okay. And I've documented it in a book form. Okay. Thank you for joining us. Thank you very much. Send us. So let social media take control. Yes, we have to take our destiny into our hands. You see, no makeup. This is not the time to dress up. This is the time to address.
Yes, and I'm also talking on behalf of other young girls that are still in captivity of TB Joshua. 8 years old, 14 years old, 11 years old. Yes, I'm saying it. 11 years old are still there because they have money, because they have fame, because they have connection. They can put people down. Enough is enough. I say enough is enough. If he thinks I'm lying, he can contest it in court. This is a document, not only for this generation, but for generation unborn. So I'm here. I'm here to stand with Bosola Dakolo and all the people that has been in silence all this while. And why are you here with us? I'm here to protest. I'm here also to join the movement. No to rape. Why? Yes, I'm here to join the cause of saying no to rape. All these people using religion to hide their sickness, to hide their mental disorder. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Before I brought out my camera, you said something about yourself. Yes. Can you say it again? Yes, I said I was also sexually molested by TB Joshua. Okay. I was trapped in the synagogue for 14 years of my life. I spent my youth in the synagogue until God set me free. If not for God, I would not be here today. Okay. And I've documented it in a book form. Okay. Thank you for joining us. Thank you very much. Wow, c'était extraordinaire. Merci la fois de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.